Nous sommes les Crash Mal. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Des gaz dangereux dans la ville. Il faut pas aller dehors. Ah oui, j'ai sauté à la corde longtemps, puis j'ai rien senti. Le gaz était peut-être pas rendu chez toi. Mais c'est grave, c'est sûr. Viens avec moi, on va essayer de trouver quelqu'un, OK? Je crois pas, non. Pas le temps de manger. Viens. Oh, ça pue le gros gioc. Il est peut-être ici. Attendez, les filles, c'est moi. C'est Gina. Où est tout le monde? Avec l'histoire de gaz, Esther a décidé de fermer l'épicerie. D'ailleurs, je croyais avoir barré la porte. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'ai dîné chez moi. Je retournais à l'école, puis quand j'ai entendu l'alerte, j'ai eu peur, alors je suis venue ici. Pourquoi ça empeste le Georg? J'ai dû l'attraper pour l'obliger à répondre à mes questions. Ça a pas été facile. Mon uniforme est complètement fini. Mais au moins, je sais où est le quartier général. Yark! C'est lui qui a fait les gaz dangereux? C'est Ambilina. Elle veut épater le grand chef des Grashmal. Pourquoi? Les filles, il faut que j'y aille. Oui, mais nous, il faut qu'on sache. Bon, j'ai réussi à faire avouer à Georg qu'Ambilina veut impressionner Morviak en lui prouvant qu'elle peut être le chef à la place de Ryu. Pour ça, elle doit passer un examen. Puis si elle réussit, c'est elle qui va être le chef. Hein? Mais pourquoi t'es habillée comme ça? Ambilina attend la visite de Cerbera, une employée de Morviak. C'est elle qui doit lui faire passer l'examen. Alors, ce qu'elle sait pas, c'est que je vais remplacer Cerbera. Oh! Titania? C'est bon. Parfait. Dès que j'ai l'information, je l'envoie sur le site d'urgence de la ville. OK. Vous? Est-ce qu'on peut rester ici? OK. À condition. Vous appelez vos parents, vous barrez la porte derrière moi et vous sortez pas tant que le site de la ville dit pas que le danger est écarté. Je devrais revenir bientôt. Est-ce qu'on peut aider? Oh, Jean. J'ai déjà vu des masques à gaz en bas. Je vais les chercher. Toi, si tu veux, tu peux aller à l'ordi, mais tu viendras me chercher quand tu vois quelque chose d'intéressant, OK? Bye! Yeah. Tout est prêt pour mon examen. Il ne manque que Cerbera. Ah, non. Il me reste une dernière chose à faire. Coucou, Rim. Oh, l'électricité capote. Ce n'est pas grave. Tu n'en auras plus besoin. Ton règne est terminé. Cette face serait trop douce pour toi et je m'en voudrais de ne pas revoir ta petite face de rat une dernière fois. Crétolinus larvus, Dentecorpus réintégrus. Oh, décidément, tu paraissais mieux en larve. Toi, tu vas me payer ça. Tu es resté en larve trop longtemps. Tes pouvoirs ont disparu et ça va prendre un bon moment avant de les retrouver. Encore ton microbe de yak essaie de me téléporter. Mais quand
je porte les nouvelles chaussures anti-téléportation que le professeur Nécrophore m'a fabriquées. Oh, il ne peut rien contre moi. Je vais tout dire à Morviak. Oh, parlons-en de Morviak. Tu ne lui as pas donné de nouvelles depuis une semaine. Ah, il t'a rayé du grand livre des Crashmas. Oh, tu n'appartiens plus au monde des Crashmas. Tu n'es rien qu'une larve sans identité. Un bon à rien qui mérite une chose, aller vivre avec l'Ibis. Et c'est ce que tu vas aller faire immédiatement. Non là. Non, non, mais pas ça, pitié, non. Adieu, Ryu. Seul parmi des milliers de bises, il ne survivra pas plus d'une journée. Oh, à moi, à ce grand règne qui débute enfin. Carnage, serait-ce déjà Cerbera? Oh, Georg, Georg, es-tu là? Je suis pas capable de téléporter Ambelina. J'ai besoin de toi. Il faut l'empêcher de rencontrer Cerbera et de passer son examen. Allez, paquet de vidange, viens. Georg! Yak? Yak. Oui, 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 les poubelles sont Yak. Mais c'est bon, tu peux les garder. Yak, mon petit crachat. Est-ce qu'il le dit? Yak, mon petit crachat. Père! Yak! Père! Où t'étais? Qu'est-ce que tu faisais? C'est Ambelina. Oh, je le savais! J'ai froid. Ça va passer. Viens, il faut empêcher Ambelina de réussir son examen. Sinon, elle va prendre ta place de chef. Yak, je suis malade. Mes pouvoirs sont capotes. T'as plus de pouvoir? Amène-moi au chaud. Mais non, sinon les bises vont te reconnaître. Calme-toi, père. Je vais trouver une solution. Oui. Je l'ai. Comme ça, personne ne va te reconnaître. Maintenant, viens, je sais où aller. Mettez ça et courez à l'école. Restez là jusqu'à ce que la police vous dise que tout est réglé. Tenez, madame, mettez ça et courez à l'école. Tenez, monsieur. Reste là, je reviens. Et Vivi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai trouvé ce clochard-là dans les poubelles. Il va pas bien. Je suis sûre que c'est à cause des gaz. Dis-lui de mettre ça puis amène-la à l'école. Hein? Non, j'ai de la misère à marcher. Je l'amène à l'épicerie. Non, bébé, l'épicerie est fermée, on peut pas faire ça. Tu veux qu'il meure, c'est ça? Non. Ok, c'est bon, amène-le. Ok, oh, merci Clara. Viens, Gaston. Oh, je suis trop bon, ça a marché. Gaston, j'aime pas ça, ce nom-là. Ah, installe-toi là et fais bien attention. Il faut que personne te reconnaisse. Je vais trouver Georg. Dès que je l'ai, on vient te rejoindre. On va faire un plan et tu vas voir. On va la renverser, cette espèce d'Ambelina là. Oh, ok, oui, mon fils. Je reviens. J'ai vu un autre clochard dans les poubelles. Je vais le chercher. Qu'est-ce que je fais avec lui, moi? Avec Ryu, pas question de dépenser un sou pour la modernisation de ce quartier général. Mais moi, je n'ai pas lésiné. J'ai investi afin d'avoir ici le quartier général le plus moderne de la province. Le plan géosatellite du territoire que nous couvrons, nous, les Crashmals de la faction Québec. Ce plan indique l'emplacement de chaque bouche d'égout donnant accès à tous les parcs, rues, centres commerciaux de la ville.
C'est la fine pointe de la technologie. Génial, n'est-ce pas? J'en prends bonne note. Mais si nous parlions de cette mission gaz... Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Vous voulez ma photo? Non, c'est que je vous imaginais beaucoup plus grande, je... Le grand Morbiac ne m'a pas envoyé ici pour discuter de ma taille. C'est vrai. Prendriez-vous un petit craquelin? Mousse d'asticot et gelée de moustique, Non merci, je n'ai pas faim. Ah? Pourtant je me suis renseignée sur vous. Et toutes les personnes m'ont dit que vous étiez incapable de résister à ces petites gâteries. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est vrai, c'est que je voulais garder ce plaisir pour la fin. Oh. Non. Mais si vous insistez... Bébé a amené un clochard. Je pense qu'il a respiré beaucoup de gaz crache-mal. Il arrête pas de grelotter. Ça me prend des couvertures. T'as pas mangé tout ça? Est-ce que Titania a donné des nouvelles? Ben, je sais pas, là. Je t'avais demandé de surveiller les sites de la ville. Titania a peut-être envoyé des informations super importantes. T'es pas drôle! Il y a plein de gens qui sont mal pris à cause des gaz crash mal, puis toi, tu penses juste à temps, puis frit! Titania a pas donné de nouvelles. J'espère que ça se passe bien. Il faut que je m'occupe de Gaston. Penses-tu que tu peux te bourrer la bédaine devant l'ordi puis venir me chercher si tu trouves quelque chose d'important? Ok, bonne soirée. Arrête, je te dis! T'es pas drôle! Je serai le plus fort, le plus électrique, le plus électrique. Tenez, vous allez avoir plus chaud comme ça. Oui. Je vous ai apporté de l'eau. Non, non, j'ai pas soif. Quand je suis malade, ma mère me dit tout le temps de boire beaucoup d'eau. J'ai dit non, N-O-N. Oh. Oh. On dirait Ryu. Watch. Qu'est-ce qu'il y a? Ton Gaston. Je pense que c'est Ryu. Ryu? Ryu qui? Tu le sais, Ryu, le chef des crash-mâles. Gaston, un crash-mâle. Tu dis n'importe quoi. Regarde. Non, mais bébé. Hé, hey Gaston! Il paraît que t'as un crash-mal. Si c'est vrai, montre-moi donc tes pouvoirs. Allez! C'est un crash-mal, fais-moi mal! Ils sont où, tes pouvoirs? On dirait que quelqu'un te les a enlevés. Hé, hey Gaston, les champignons qui sent les oignons! C'est ça, tu fais? Tu vois, il y a plein d'eau dans les yeux. Si lui, c'est un crash-mal, mais moi aussi, j'en suis un. Je te crois, mais j'aimerais mieux que tu lui demandes d'aller ailleurs. Tu veux te débarrasser de lui. T'es fine? Mais c'est pas ça, mais c'est pas... C'est correct, j'ai compris. Je vais l'emmener ailleurs. Sauf que si c'est pas trop demandé, ça serait bien de lui trouver des souliers, non? Je vais voir. Bravo, père! Le coup des larmes, c'était super! Et quel coup? Ah, le coup! Ah oui, oui, c'était une autre de mes bonnes idées. Où est Georg? Je l'ai pas vu, mais regarde ce que j'ai trouvé en fouillant dans les poubelles! Ah! Oh, des crevisses! Oui, oui, oui. Chut! C'est ça! Natacha! Qu'est-ce que t'as? Des nouvelles de Titania? Oui, enfin! Les gaz qui entourent la ville donnent aux gens une faim continue qui risque de les faire exploser. Ah oui, j'ai sauté à la corde longtemps, puis j'ai rien senti. T'as respiré les gaz? C'est pour ça que tu manges tout le temps? Il y a un lien. Antidote.
faire boire aux victimes des gaz un litre de jus de poire. Hé, du jus de poire! Greg en a toujours! Ouais! Tiens, bois ça, vite! Ça marche! Ça commence à dégonfler! Ah, je m'excuse, Natacha. J'aurais dû m'occuper de toi au lieu de... De m'occuper d'un clochard qui ressemble à Ryu. Est-ce qu'il mange tout le temps? Non. Puis en plus, quand Bébé l'a trouvé, il était dehors. Si s'il était comme nous, il aurait eu la même chose que toi. C'est Ryu! Je le savais! Il faut que tu le dises au Carmandor! Non, ils sont trop occupés. Puis en plus, Ryu va bientôt partir. Je vais faire comme si de rien n'était, puis je vais lui porter les souliers. Tiens, avec ça, les Carmadors vont le retrouver facilement. C'est sûr. C'est pourtant simple, père. Si vous êtes habillé en Carmador et que vous faites semblant d'être l'ami d'Umbelena, Cerbera va la prendre pour une traître et va la virer. Ah, j'avais compris. Je voulais juste m'assurer que tu comprenais ce que tu disais toi aussi. Bon. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est ridicule, mais ça devrait aller. Là, voilà. Comme ça. Il y a un refuge de l'autre côté de la rue. Il devrait y aller. On va aller voir. Toi, tu restes ici. Dehors avec les gaz, c'est beaucoup trop dangereux pour toi. J'ai dit que je vous aiderai. Je vais le faire. Vous avez besoin de moi. J'ai dit non. Je vais beaucoup mieux. Insiste pas, bébé. Je te l'ai dit. Le refuge est tout prêt. Il va le trouver. Oui, et grâce à vous, je vais renverser en Belena. Gaston! Carmador! Waouh! Sirius, le chef des Crashmal, il faut prévenir les Carmador. Et moi, je l'ai fait venir ici? Oh non! Excuse-moi, Clara. Je savais pas que c'était lui. Oh, je suis nulle! Mais non, c'était pas de ta faute, tu savais pas! Ils vont gonfler! Éclater comme des ballons. Ce n'est pas un cancre comme Ryu qui aurait pu faire un plan aussi diabolique. J'imagine que vous avez caché les bonbonnes de gaz dans des endroits introuvables par les Carmador. Quels sont ces endroits? Comme vous le savez, ma chère Cerbera, une chef de faction doit quand même garder quelques secrets sur ses stratégies. Et maintenant, c'est l'heure de fêter notre première rencontre. Cocktail de limaces. Grand cru 1875, piqué des verres en plus. Épais et gluant à souhait. Une bonne cachette pourrait vous donner quelques points supplémentaires pour la stratégie et l'originalité des missions. Ah oui? Oh, Belena! Coucou! Oh, ma meilleure amie! Comment vas-tu? J'ignorais que vous entreteniez des liens d'amitié avec les Carmador. Mais non, Cerbera, je ne connais pas cette personne, c'est de l'imposture! Elle ment! Umbelena dit toujours tout au Carmador. Si ce que vous avancez est vrai, ça veut dire que vous savez où se trouvent les bonbonnes de gaz? Excellente question! Je suis sûre qu'elle l'ignore. Elles sont dans des bouches d'égout. Il y en a une sur la rue des Pignons, une autre rue des Citelles et la troisième rue Sargas. Voilà qui complète mon rapport. Morviac l'aura sous peu. Non! Attendez! Il s'agit d'une erreur! Il y a un traître dans mon quartier! Je ne parle pas au Carmador! Je les déteste! Espèce de... Coucou! Ah, je t'ai bien eu! Quand Cerbera va dire à Morviac que tu as des amis Carmador, il va te jeter au requin! Qui t'a dit où étaient les bonbonnes de gaz? Qui? J'avais beau être une larve, j'entendais tout ce que tu manigançais, et là... Ton règne est terminé! Je voulais juste t'aider. Tout ce que
que j'ai réussi à faire, c'est des gaffes. Mais non, Clara. T'as fait plein de bonnes choses. Tu m'as aidée avec du jus de poire, t'as donné des masques aux gens, t'as voulu aider un clochard. Tu pouvais pas savoir que c'était Ryu. C'est bien de vouloir aider les gens, mais faut faire attention de pas prendre des risques inutiles. Je le sais. La prochaine fois que tu veux donner un coup de main, je veux que tu sois prudente. Tu laisses entrer personne s'il y a pas d'adulte avec toi, puis tu vas pas dehors si c'est interdit. Promis. En tout cas, ton idée de déguiser Ryu en Carmador, ça, c'était très bon. C'était pas mon idée. Ryu aurait pensé à ça tout seul. Oh. Titania? Oui. Oui, c'est génial. Je m'en occupe. Ça y est, Chrono a trouvé toutes les bonbonnes de gaz. Et Esther vient de me dire qu'il a détruit la dernière. On peut aller dehors? Oui. Et puis moi, bien, je vais annoncer la bonne nouvelle. Dépêchez-vous de rentrer chez vous, là, hein? Attends! Pourquoi tu disais que c'était une bonne idée que Ryu porte ton costume? Ben, on est mieux que les crache-mâles se chicanent entre eux autres qu'avec nous. Vous venez, les filles? Ouais, mais on va aller chercher nos sacs. Je vais barrer la porte. Parfait, c'est beau. Hop! Salut, les filles! Crois-tu qu'Ambelena a aimé les pantoufles de Ryu? Je crois qu'elle les a tellement aimées qu'elle a décidé de les voler! Cher Morviak, grand chef suprême, je vous écris au sujet de la Carmador que votre dévoué Cerbera a vue chez moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que c'était moi? Ah, merci! Il saura enfin que j'existe toujours. Mais non! Idiot! Je vais lui dire que c'est Georg qui me jouait dans le dos. Morviak sera tellement fâché contre lui qu'il le donnera au lion. Encore un autre dont je serai enfin débarrassée. Morviak te croira jamais. Il sait bien que Georg aurait jamais pensé à un plan aussi ingénieux. Allô? Qui? Oui? Bien sûr! Je vous attends! Je me suis fait avoir. Tu délires, Ambelena. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans ça? C'est que toi aussi, tu t'es fait avoir. La Cerbera qui était ici tantôt, c'était pas la vraie Cerbera. C'est bien ce que je disais, tu délires. Non. Mais je vais mener ma petite enquête. C'est sans doute une Carmador qui voulait faire échouer ma mission. En attendant, la bonne nouvelle, c'est que la vraie Cerbera s'en vient. Et cette fois-ci, elle ne verra pas de fausse Carmador à la gomme. À moi, les grands honneurs. Mes chaussures anti-téléportation. Oui, oui. Prends la télécommande, là. Oui. Je suis grande. Grandiose. Trop incroyablement intelligente. Ne touche pas à ça! Libère mon père, espèce de vipère! Sinon, je vais faire tomber tous tes pièges sur Cerbera. Bravo, ma virue. Tu es la digne fille de ton père. J'ai bien hâte de voir comment la grande Ambelena va s'en sortir cette fois-ci. Un jeu d'enfant! Et maintenant, que vais-je faire de vous? Cerbera s'en vient. Je vous cache ou je vous transforme tous les deux en larves? Pour en savoir plus sur Kaboom, tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les crache-mâles la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les crache-mâles. On est laid et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal. Nous sommes les Carmadors.